Méditation du 14 octobre, pardon divin. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme de rien ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui, à notre Dieu qui pardonne abondamment. Ésaïe 55, verset 7. Manassé n'avait que 12 ans quand il a commencé à régner et à gouverner le royaume de Juda pendant 55 ans. La Bible indique qu'il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 2 Chroniques 33, verset 2. Car il a bâti des temples et édifié des autels à des dieux païens et a rendu un culte aux étoiles dans le parvis même du temple de Dieu. Il a brûlé son propre fils, l'offrant en sacrifice aux idoles, a pratiqué la magie, la divination, la sorcellerie et a consulté les médiums et les sorciers. Il était l'un des rois les plus idolâtres et sanguinaires de Juda et fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 6. Sa méchanceté s'est amplifiée et s'est étendu au peuple qu'il gouvernait, l'incitant à pécher plus que les nations que Dieu avait détruites. Voir verset 9. Par l'intermédiaire des prophètes, Dieu a réprimandé de manière répétée la méchanceté de Manassé en lui envoyant des messages de jugement et d'avertissement. Mais les messages ont été ignorés et les messagers éliminés. La déclaration biblique d'aujourd'hui avait été prononcée par le prophète Ésaïe et était parvenue aux oreilles de Manassé. Mais bien que le prophète ait été assassiné, ses paroles ont continué à faire écho dans son cœur endurci. À cause de sa méchanceté, Dieu a permis que le roi et son peuple soient emmenés en captivité à Babylone. Et lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications, et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Les versets 12-13, version du second. Est-il juste qu'après avoir été aussi méchant, il ait aussi rapidement été rétabli dans son royaume? Avant d'être réhabilité, n'aurait-il pas dû démontrer qu'il s'était repenti? Bien que non biblique, de nombreux chrétiens pratiquants partagent cette croyance. Dans le cœur de beaucoup, pour être pardonné, il faut d'abord montrer qu'on le mérite. Parfois, on exige aussi de ceux qui nous ont fait du mal qu'ils changent de comportement avant de les pardonner. Mais Dieu n'agit pas ainsi avec nous. Il ne méprise pas le cœur contrit et brisé, voir Psaume 51, verset 19. Mais accorde le pardon rapidement et gratuitement à ceux qui viennent à lui en lui confessant leurs péchés. Si vous vous êtes égaré, n'attendez pas de vous améliorer pour rechercher Dieu. Si vous vous sentez éloigné de lui, revenez sans délai. Souvenez-vous que le Seigneur aura compassion de vous et qu'il pardonnera avec largesse. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.